Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
passe ça. On se passe ça. Fan. Camarades confinés et confinés. Bienvenue à cette 17e édition de FAM. Un maestro toujours en confinement. Avec votre maestro. FAM. Ainsi que votre animateur Benjamin, comme toujours. Aujourd'hui. Moi, j'ai un nouveau moniteur, moi je suis content. Là. Aujourd'hui, nous avons pour vous une soirée vivifiante. Moi, j'ai dit exploratrice, mais c'est vivifiante qui a gagné pour aujourd'hui. Ouais, c'est malheureusement moi qui fais cette partie, donc c'est moi qui décide le mot de la soirée. Donc, ce soir, on a plein de nouveautés, mais particulièrement des nouveautés techniques derrière. Oui, oui, oui. Donc, des nouveaux moniteurs, des nouveaux écrans, c'est beau à voir tout ça. Si vous avez regardé le plan d'ensemble avant le stream, vous avez pu voir qu'il y a peut-être plus de choses qu'avant par terre. Mais je trouve qu'on réussit à on fait presque un Marie Kondo de nous. Oui, presque. Pour ceux qui connaissent Marie Kondo et qui essaie de placer toutes les choses de façon le mieux possible. Picole est toujours là, bien Picole, placé. Mais là, il est un petit peu caché quand même. Il est caché? Ouais, il faudrait qu'il soit un petit peu plus dans... Voilà. Ben, bonjour tout le monde. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes reposés pendant cette semaine de congé. J'ai personnellement travaillé probablement plus, en fait, que dans une semaine normale de femme, mais sur d'autres projets quand même, et sur le futur aussi de notre émission. Et d'ailleurs, on a préparé un plan pour le reste de l'été. Ça va être grosso modo aux 2 semaines maintenant, mais il va y avoir une émission la semaine prochaine, le 22 juillet. Ensuite, ça va aller au 12 août pour un projet que je vais annoncer la semaine prochaine. Ça va être un très long stream, probablement que ça va durer de 15h à 22h, quelque chose du genre. Je vous annonce ça la semaine prochaine. C'est un très long stream. Un très long stream, et Benjamin m'a vu travailler à tous les soirs pendant 3-4 heures en regardant des films. En fait, femme profite de l'occasion où je ne pourrai probablement pas me joindre à vous à ce moment-là pour prendre toute la place, mais pour de vrai. Et ensuite, il va y avoir le 26 à août. Et à partir de septembre, on va faire en fait... j'aurais dû fermer la porte, j'ai oublié. À partir du mois de septembre, on va faire une émission par mois, probablement, le premier mercredi de chaque mois. Donc le 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre. On va vous annoncer ça en temps et lieu. Donc, en introduction aujourd'hui, nous avons écouté la symphonie espagnole de Lalo. Question de continuer un peu avec l'appropriation culturelle. C'est une œuvre espagnole d'un compositeur français avec l'excellent violoniste David Grimal, avec Les Dissonances, qui est un orchestre originaire de Paris, en fait, qui est un orchestre sans chef. C'est un très bon groupe de musiciens. Est-ce que le nom Les Dissonances vient du fameux... Quatuor de Mozart? Je pense pas. Je pense pas que ça vient de là. Mais je me souviens plus exactement c'est quoi l'origine. D'accord. À revoir un jour. Si jamais vous avez l'occasion d'écouter ce quatuor, c'est la chose la moins mozartienne que vous entendrez de Mozart de votre vie. Il y a des quintes aussi. Bref. Donc aujourd'hui, Femme 17, soirée spéciale, innovatrice avec une performance internationale et ensuite la présentation d'un ballet où vous pourrez l'apprécier en vidéo. On continue d'innover chaque semaine et donc ce sera la première fois qu'on va présenter un ballet sur l'émission et ainsi qu'une performance internationale aussi. On a un nouveau système audio. On est rendu large là. Non, c'est gros. Ce qui est drôle, c'est que ça va être en direct de New York, mais... C'est plus loin, Rimouski, ce qu'on a fait il y a 3 semaines que de New York, en fait, là, en partant de Montréal. Mais c'est un autre pays. Je vais fermer cette porte-là. Donc, pendant que Fred ferme la porte, je vous dis bonjour à tout le monde. Hein, nos habitués, là, ça fait plaisir de les mentionner. Là, Caroline, Jean-Philippe, Hélène, nos parents. Docteur Rémi, qui est encore avec nous. Voilà, Sylvie Vignola, qui commence à être une très habituée, qu'on n'a jamais saluée, donc on en profite ce soir. En effet. Et voilà, donc c'est ceux que j'ai vus qui ont commenté. Malheureusement, si vous n'avez pas commenté, je ne peux pas savoir si vous êtes présent. Donc, vous voulez que je vous salue, il faut commenter. On essaie toujours de briser la barrière des 250. Des 200, oui. Mais aujourd'hui, avec le ballet, ça risque d'être encore plus difficile, en fait. Oui, oui, oui. Moins de discussions que d'habitude.
Merci encore de votre présence. Merci à Benjamin pour l'animation et la vidéo, tout ce que vous voyez à l'écran. Boran Zaza, manager, Kim Fontaine, notre directrice des médias sociaux, ainsi que Sarah Douglas, notre assistante dédiée et modératrice du chat. N'hésitez pas à nous écrire des questions, des commentaires, des réactions sur le chat. On en veut plus que 200 à chaque fois. ainsi que des suggestions d'œuvres à présenter dans les prochaines semaines et mois. Et allez vous abonner à ma page Facebook et YouTube, maintenant nommée Maestro Femme. Le changement officiellement a été fait. Je peux montrer ça en plus. Ah, le YouTube? Voilà. Ça commence à avoir de la gueule, il y a beaucoup de vidéos quand même. Ah oui, avec toutes les versions coupées aussi. Oui, tranquillement, j'ai commencé à prendre du temps à faire du montage audio. J'ai vu que Hélène s'était ennuyée de nous la semaine dernière, donc elle nous a dit qu'elle était allée regarder l'émission de la semaine passée en rediffusion. Donc voilà. Mais on a passé de 35 abonnés à 36, hein, fait que même avec cette semaine de congé-là, on a quand même gagné... un abonné. On réussit à avoir notre abonné par semaine. Donc, première activité de la soirée. Tout à fait. Nous commencerons aujourd'hui avec l'entrevue et la performance. J'ai rencontré les deux personnes que vous allez voir très bientôt, il y a seulement quelques semaines, puisque nous sommes dans un groupe de musique de chambre ensemble, mais à distance, dans un festival qui a lieu présentement en ligne. Nous avons surtout eu des performances de musique populaire sur le stream jusqu'à présent, mais aujourd'hui, ça sera un peu plus expérimental, vous allez voir. Donc, on sera plus près de la musique contemporaine quand même que de la musique pop. Je perds dans mon propre texte. Mais aujourd'hui, c'est un peu tout honnêtement, pop, même si l'une des deux pièces possède une partie de chant. Ils jouent en fait ensemble dans un groupe de musique et la semaine passée, je leur ai demandé s'ils étaient intéressés à venir sur l'émission, tout simplement. Vous serez intéressé de voir qu'il va y avoir un violon avec 5 cordes d'ailleurs. Je te prends quelques secondes, Fred. Nos invités nous indiquent qu'il n'y a pas de son de notre côté. Il n'y a pas de son de notre côté? Ils devraient nous entendre présentement. Donc, faut regarder ça. C'est possible que ce soit déconnecté. Les aléas... Les aléas d'essayer de faire le mieux, hein? On utilise tous les derniers outils de la fine pointe pour réussir à nous donner du... De la qualité. De la qualité, à vous donner de la qualité. Je vais prendre 20 secondes pour corriger ce problème. Si je peux en profiter pour changer les couleurs de notre fond d'écran. T'sais. Voilà, allons sur le vert et jaune. Oui, Jean-Philippe, en fait, nos invités passent par... en fait, on a le son qui traverse via une application, on a la vidéo qui traverse une deuxième application, et vous êtes sur une troisième application sur laquelle on travaille, donc c'est pour ça. Si ça ne fonctionne pas, on pourra... Bon, mais on va juste aller sur Zoom et ça va être simple. Exact. Si on ne fonctionne pas, Zoom fera très bien l'affaire. Exactement, les aléas du direct. On avait réussi dans les dernières semaines. Ça faisait au moins un mois et demi, certainement, qu'il n'y avait pas eu de petits pépins. Donc, est-ce que ça semble... Ouais, on avait réussi jusqu'à la semaine dernière, peut-être, hein, dans les dernières semaines. Dans les premières semaines, les habitués se souviendront des difficultés techniques qui avaient lieu. Donc, je crois que ça marche. Ça fonctionne, je confirme. De ce que je vois sur... Super. Donc, on procède? Nous procédons. ils sont aujourd'hui en direct de New York. J'espère pouvoir les rencontrer en vrai, quand même, un jour. Je suis bien heureux de vous présenter Lily Desmond et Zachary Raymond Baker. Yeah. Hello there! Hello! Hi! How are you?
We're good. We're good. Yeah. Thank you so much for being with us today. Oh, thank you so much for having us. We're really excited to be here. Yeah, it's really a pleasure. Yeah. Donc, comme nous avons fait hein, la semaine dernière, on va vous faire une traduction simultanée de ce qui se passe. Donc, évidemment, on fait juste les salutations d'usage de Lily. Lily et Zachary. Lily et Zachary. Donc, je ne connais pas leur nom de famille, je suis désolé. J'ai un blanc. Donc, allons-y sur Lily. How was your confinement on your side? How was the what? The confinement. Oh, it's been a roller coaster on my end. Yeah, truly. I mean, I escaped back home for about 3 months to Los Angeles, where I'm from. So I relaxed for a while, but now that I'm back, it's getting a little bit stuffy, you know. It's very hot here. Yes. Yes. Donc, ils nous disent que ça a été un peu, depuis le début de la quarantaine, ça a été un peu en roller coaster, en montagne russe. Lily, c'est du côté de Lily, du côté de Zachary, il était à Los Angeles pendant 3 mois chez ses parents et là, il est de retour à New York, où est-ce qu'il fait très chaud présentement, en fait. I have a quick question for you guys. Is that possible to have earplugs? Because we get echo in here. Donc, on va installer des petits écouteurs. J'en profite pour saluer Clara. Bonjour Clara. qui vient de nous joindre. Oui, notre moyenne est bonne, Hélène, mais aujourd'hui on l'a fait descendre. Is this good? Can you hear us? Yes, that's fine. Great. Thanks. Yeah. So, how did you start to play music, and what's your project now? I have been singing since I could open my mouth, and I picked up violin pretty young. I wanted to do Irish fiddle, but then I got into classical music and all kinds of other music, and now I do solo loop pedal violin stuff on my own. That's how I present my songs. Lily a commencé à chanter en fait depuis qu'elle est née, tout simplement, depuis qu'elle est non, capable non, de... Le mot qui a été utilisé, c'est depuis qu'elle a ouvert la bouche. Donc on s'attend à ce que le premier son soit du chant, ou pas tout à fait. Tout à fait. Et ensuite, elle a commencé le violon très jeune et voulait faire au début des reels écossais, mais s'est intéressée ensuite à la musique classique, tout simplement. Right? And Zach, what's your life story and musical projects? I actually started as a visual artist. I actually found music when I started playing cello when I was really little, like I must have been 10. And I just liked double bass better. I always thought cello wasn't that cool. Sorry, cellists. So I started playing that, and I just got really obsessed with it. And so when I went to college, I just decided to start studying composition, and that's where I met Lily. And now that I'm graduated, Lily told me about this Z Festival thing, and so that's like my current project. And so yeah, just composing this piece that we're about to play. because I heard that we were gonna have to play something, so I just wrote something in the past week. So thank you for this. J'en ai oublié une petite partie. Là. Et il a commencé comme artiste visuel. En fait, il n'était pas un musicien à la base, mais il a joué du violoncelle et ensuite il trouvait que la contrebasse était badass. c'est drôle hein, parce que les instruments viennent avec une certaine personnalité. Ah oui, clairement. Donc, vous allez toujours trouver les mêmes types de personnalités avec chacun des instruments. Et donc, je connais pas encore beaucoup Zach, mais ça m'étonne pas. Et ensuite, présentement, il fait partie du même festival que je mentionnais un peu plus tôt, mais c'est le festival de musique de chambre en ligne. Et you wrote this piece in like 3 days or something like that? Lily told me that you had invited us on. Yeah. So I
realized, you know, I don't have a whole lot of things that translate well to a trio, so I just wrote something new. In less than a week. I found this melody that I wrote like a year ago or something, and then I just turned it into a piece. And so that's what you're going to hear. Yeah. Donc, Zach s'est fait demander par Femme de nous faire une pièce. Donc, il est parti avec un trio qui avait déjà, c'est ça? Non, il y avait une mélodie qu'il connaissait et il l'a arrangé pour trio. Et donc, ça a été composé en moins d'une semaine. Oui, et moi et Lily, nous avons reçu la partition lundi soir. Donc, c'est très frais comme composition. Donc, en plus d'être une entrevue mondiale, c'est une première... une création. Première mondiale de la pièce. And you, Lily, we're going to be playing everything else. Do you have a story to present the piece? Sure. I wrote this song, I want to say, 8 years ago. I basically just wanted to do something with the technique bariolage, which is where you go back and forth on the strings on the violin. And I was feeling very small at the time, like emotionally, and decided that I needed to write a song that would feel like, I don't know, a big warm hug. Donc, elle a écrit cette chanson il y a 8 ans, alors qu'elle était dans un passage difficile de sa vie et qu'elle se sentait petite par rapport à la vie. Et elle utilise, entre autres, pour cette pièce-là, une technique de bariolage en français. Je pense que c'est le terme en français aussi. Qui est, dans le fond, quand tu arpèges les notes sur le violon, vous allez bien entendre plus tard comment ça sonne. C'est à peu près tout le long de la pièce. donc vous allez bien vous approprier l'idée du bariolage. Maybe just one last question. Lily, do you want to show us your 5-string violin? I'm sure that the people on the stream would be interested to hear that. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un violon a habituellement 4 cordes, mais le violon de Lily ici possède 5 cordes. So, do you want to play it a bit? I'm sure they would be interested to hear how it goes from... Ça va peut-être être un peu fort, les gens à la maison, puisque les levels entre l'entrevue et quand on joue, c'est différent, mais ça vous donnera une idée de combien ce violon de 5 cordes sonne, en fait. You get 3-string chords very easily on this instrument, which is fun. So it's basically like an added C, low C, like a viola, right? Donc, un des avantages que Lily mentionne par rapport à ce violon-là, c'est la possibilité de jouer sur 3 cordes simultanément. Assez facilement, ce qui est possible au violon, mais ce qui est un défi. C'est un petit peu plus difficile, et avec cet instrument-là qui est un petit peu plus plat, ça permet de jouer ces choses-là. Donc, ça doit être particulièrement utile en fiddle. Dans la musique traditionnelle. Ouais. It is also an electric acoustic. It has an input in the back. Pour les gens à la maison, c'est aussi un violon qui est à la fois acoustique et électrique avec un pick-up intégré à même l'instrument. Donc c'est super fun. Well, I think we're ready for the first performance if you're ready. Sure. Yeah. On va commencer avec le trio que Zach nous a composé. We'll start with the trio. Okay. Yeah. I'll introduce you. Donc, on prend tous nos instruments. Donc, je confirme, hein, Lily a un très beau nom. Yeah. C'est notre... our mother told us that you have a very pretty name. Oh, thank you. Because you basically share your name with her, so... My middle name is Pascal. Pascal? Yeah. Donc, French, parce que my parents love France. Donc, elle s'appelle Lily Pascal. Donc, oui. Mais oui, je suis d'accord avec toi, maman. Elle a une très très jolie nuit. Et donc, on va commencer avec un trio pour deux violons et contrebasse par Zachary Raymond Baker, avec Frédéric Alexandre Michaud et Lily Desmond. C'est un enregistrement du 15 juillet 2020 qui est disponible en ligne sur Facebook présentement.
C'est création. Donc aujourd'hui, vous entendez pour la toute première fois cette œuvre qui a été composée il y a moins d'une semaine. Et c'est une petite valse. Oui. C'est une belle petite pièce que Zachary nous a composée. Donc sur ce, bonne écoute. So cute, guys. Good job. Thank you. I hope everyone appreciated the distance trio playing. Yeah. So what I have so far is this is my détente. How would you say that? Calming. Calming moment of the week.
That's a magnificent melody and a big heart with applause and magnificent and applause. So everyone's happy again. Thank you. Ouais, bravo à Zach pour cette composition. J'espère à la maison que vous avez apprécié. C'est quand même beaucoup plus un défi quand même de jouer un trio de cette manière que de jouer, d'accompagner quelqu'un en musique pop quand même avec une guitare et une voix. Donc... Tout à fait. On a des beaux défis qu'on se donne. Oui. So, the next piece is by Lily. I'm going to introduce my friend who is going to come and sing harmonies on this piece as well. Donc, her name is Elena La Roca Lopez. Nous avons l'honneur d'accueillir une personne de plus. Une personne de plus au stream. What's her name again? Sorry. Elena. Elena La Rota López. Donc Elena qui nous rejoint pour faire les bad vocals. La choriste. La choriste. Donc choriste en plus. On ne regarde pas la dépense. Donc je dois juste m'assurer que ça fonctionne. Oui, super. So, are you guys ready? Mm-hmm. Yeah. Tout le monde est prêt. Okay. Counting off two measures. One, two, three, four, two, two, three, four. Thank you.
Je pense que c'est de la musique qui marcherait bien dans un film. Je vais le dire en anglais en premier, puis je vais le dire... I was imagining myself somewhere flying over a land, and there's this lake, there are these lakes, these rocks and everything, and you just fly very fast over this. That feels like, that's so interesting. Okay. It's very cinematographic. That's what we feel here. Yeah. Yes. Donc, ce que j'ai dit, je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose. La passion. En fait, j'avais l'impression de flotter au-dessus de lacs, au-dessus de rochers, très, très, très rapidement, en passant du paysage et du paysage. Et il y a cette chose aussi avec les double bass. Il y a beaucoup d'harmoniques, il y a beaucoup d'harmonies qui passent là-dedans et ça fait très plein comme son. On a l'impression quand il y avait les deux chanteuses en même temps et les graves pour le violon 5 cordes et les aigus sur le violon 4 cordes et les graves, on a l'impression que toute l'étendue du son peut être... De l'orchestre, oui. C'est un orchestre au complet. so I can say that in English very quickly. I was just saying that it sounded very full for me. Like there's this double bass and the violin five strings that play low notes and the violin four string that play high notes and the two girls' voices that are mixing the high notes, and it was very, very nice with that. Yeah, thanks for this moment. Oh, thank you so much. It's really an honor to be able to perform for you guys and with you. Elle dit que c'était un honneur de performer pour nous aujourd'hui. Thank you so much, and I really hope that we get to do that in real person someday. Me too. Yeah. Yes. We'll come it's gonna be you. In a femme femme reunion. Femme reunion. Yeah. When we're gonna be able to just shake hands. Yeah. And well. Immediately wash them. Yeah. Thank you so much for being with us today, and now we'll slowly transition towards the Stravinsky by the Spring that a lot of people are waiting for, I think, today. Yeah, thank you very much, and see you soon. See you soon. Yeah, stay safe. We have a rehearsal tomorrow, me and Lily. So. Donc, est-ce que le chat avait quelques questions avant qu'on procède vers la première et dernière œuvre de la soirée, en fait? La seule œuvre enregistrée. Oui. Non, sinon que oui, le monde sont d'accord avec le cinématique sur... Et ils ont aimé l'image que j'ai mentionnée sur voler au-dessus d'un grand, grand décor. De quelle culture musicale ça s'inspire? Je dirais que c'est probablement du minimaliste. Ouais, en fait, je dirais du minimaliste irlandais. Il y avait quand même un petit côté irlandais, fiddle irlandais dans le truc. Oui, clairement. Mais ça fait vraiment musique de film, la manière que c'est orchestré aussi, que la contrebasse est en bas. Avec le reste des choses qui sont en haut. Ouais. Mais c'est un arrangement de, c'est ça, musique de film, musique minimaliste, puis de... Moi, de mon côté, puis je pense que c'est pour cette raison que j'entends ça, c'est que la double bass, pendant longtemps, elle a maintenu une note qui, si c'était sur une cornemuse, ça s'appellerait un bourdon. Et cet aspect-là, dans le fond, quand vous entendez une cornemuse, quand vous entendez une cornemuse, vous entendez un qui est tout le long. Et cette note-là, elle existe, elle est accordée et tout, mais elle est obligatoire à cause de la façon que fonctionne l'instrument. Et donc, quand on entend cette chose-là, finalement, ça nous rappelle dans ce cas-ci, c'est peut-être un peu plus écossais qu'irlandais, mais ouais. Donc j'avais cet aspect-là de nord de l'Écosse, nord de l'Irlande, quelque chose comme ça. Donc voilà, je ne sais pas si j'étais le seul à imaginer ça. Donc, on procède? Je pense qu'on peut avancer, effectivement. La première et dernière œuvre de la soirée est du compositeur Stravinsky. Ah oui, j'ai oublié de montrer des photos de tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Je peux montrer celle de Stravinsky.
Peut-être juste avant, tiens. On montre les autres compositeurs. On va quand même montrer les photos de Zachary ainsi que celles de Lily parce que je trouve qu'elles sont belles. Oui, c'est vraiment des belles photos. Donc voilà pour Zachary et voici pour Lily, visiblement en concert avec toutes ses pédales. Oui. Mais je ressemble un peu à ça, mais c'est juste que c'est caché par terre. Ouais, faudrait que je baisse une caméra là, pour vous montrer. Donc, de retour à Stravinsky. Donc, le sacre du printemps, c'est un ballet. C'est la première fois qu'on présente un ballet hein, ici. C'est, mm-hmm. c'est de la danse qui a été joué pour la première fois le 29 mai 1913. Donc, c'est une pièce qui est quand même assez récente. Ce fut un désastre absolu lors de la première. Et c'est une histoire qui est vraiment fameuse, quand même. Pour ne pas utiliser le nom femme. C'est fameuse. les détracteurs de cette pièce-là à la création avaient qualifié l'œuvre de « massacre du printemps ». À place du sacre du printemps. L'œuvre... Je trouve que c'est quand même un bon jeu de mots. Oui, quand même. L'œuvre est parfois basée sur des mélodies, mais également beaucoup sur des rythmes, en fait. Beaucoup des scènes présentes sont basées sur des rituels et des danses et des processions. Et donc, ces rythmes sont... Oui, il faut ramener la casquette. J'avais oublié de mettre ma casquette, je suis désolé. et donc, oui, c'est ça. Les rythmes sont inspirés de ces danses. Pour les musiciens de l'orchestre, c'est un grand stress de jouer cette pièce et aussi c'est vraiment difficile au chef à diriger. Surtout, entre autres, lors de la danse sacrale, la finale de la pièce, où les rythmes deviennent de plus en plus compliqués et où est-ce que tout l'orchestre joue ensemble. Alors, si on joue au mauvais moment, tout le monde l'entend. Stravinsky utilise un très gros orchestre pour cette pièce. Normalement, il va avoir deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes, deux bassons. Dans cette pièce-là, il y a cinq de chacun de ces instruments-là. Normalement, il va avoir quatre cors, deux trompettes, trois trombones, un tuba. Pour cette pièce, il va avoir huit cors, cinq trompettes, trois trombones, deux tubas et un très grand nombre de percussions. Évidemment, des cordes, comme toujours. Il ne faut pas oublier en fait que cette pièce-là est faite pour faire vivre des émotions aux gens. Et il va y avoir un très grand range, différence, étendue entre les moments très très calmes et les moments très très forts. Évidemment, avec des écouteurs ou des haut-parleurs d'ordinateur, on peut moins sentir cette force-là de l'étendue, de la dynamique. Mais, c'est la limite de ne pas être sur place pour écouter la musique classique. Oui, c'est ça. Sur place, c'est vraiment une expérience qui vous embarque totalement, en fait. Donc, l'œuvre est en deux grosses parties de 14 scènes en tout. Ce sont des scènes païennes de la vie russe, selon le sous-titre de Stravinsky. Il va y avoir l'introduction, l'augure printanier, le jeu du rapne, la ronde printanière, le jeu des cités rivales, le cortège du sage, l'adoration de la terre, la danse de la terre. Ensuite, le deuxième tableau qui est le sacrifice, l'introduction, le cercle mystérieux des adolescentes, la glorification de l'élu, évocation des ancêtres. Le cercle mystérieux des adolescentes. Oui. et Sarah va mettre sur le chat pendant la présentation de la pièce à quel mouvement on est rendu. D'ailleurs. Et donc, chacune des parties commence très lentement et se termine de manière complètement folle, en fait. Préparez-vous à entrer dans un univers magique, comme lorsqu'on écoute en fait un opéra. On est dans un autre univers, on n'est plus sur la Terre. Donc, Benjamin, voudrais-tu nous lire les notes de programme que les spectateurs avaient dans leurs mains lors de la première de la pièce? Ben, je vais essayer de faire ça. Je vais me mettre en grand pour la première fois que j'y pense. Donc, voilà. Je vais vous avouer que j'avais oublié que j'avais une lecture aujourd'hui, donc je découvre en même temps que vous, c'est mon erreur. Donc, premier et deuxième tableau. Donc, premier tableau, l'adoration de la terre. Printemps. La terre est couverte de fleurs. La terre est couverte d'herbes. Une grande joie règne sur la terre. Les hommes se livrent à la danse et interrogent l'avenir selon les rites. L'aïeul
de l'aïeul de tous les sages prend part lui-même à la glorification du printemps. On l'amène pour l'unir à la terre abondante et superbe. Chacun piétine la terre avec extase. Deuxième tableau, le sacrifice. Après le jour, après minuit. Sur les collines sont les pierres consacrées. Les adolescentes mènent les jeux mythiques et cherchent la grande voie. On glorifie, on acclame celle qui fut désignée pour être livrée aux dieux. On appelle les aïeux, témoins vénérés. Et les sages aïeux et les hommes contemplent le sacrifice. C'est ainsi qu'on sacrifie à Larilo, le magnifique, le flamboyant. Dans la mythologie slave, Larilo est le dieu de la nature. Donc, chacun des grands tableaux, des deux mouvements de cette œuvre, débute par une introduction et comprend un certain nombre de danses qui vont mener à la danse de la terre et à la danse sacrale, le sacrifice, femme. Et pour l'introduction de chacune des parties, c'est le moment où est-ce qu'on va pouvoir, entre autres, voir l'orchestre jouer. Et le résultat, les caméras vont être sur les danseurs. Certains passages seront difficiles d'approche dans cette pièce, je vous avertis d'avance. Gardez en tête qu'il s'agit d'une histoire d'un sacrifice et que parfois la musique sert simplement à montrer une émotion. Le rythme, la mélodie, l'harmonie n'auront pas nécessairement le but que vous avez en tête parfois. Simplement de faire vivre un moment au public. Le début commence avec un solo de basson. Avant que plusieurs instruments joignent et au bout de presque 5 minutes, en fait, le basson va reprendre la parole. Et pendant ces 5 premières minutes-là, c'est un peu le bordel qui arrive. Et pour moi, j'imagine toujours ce début de cette pièce-là un peu comme le début d'un party, en fait. Il va y avoir l'hôte au début et ensuite, plusieurs invités vont arriver et vous allez pouvoir voir la personnalité de chacun de ces invités-là. Et ensuite, l'hôte reprend parole pour souhaiter la bienvenue à tout le monde. Et c'est là où est-ce que le moment où est-ce que la danse peut commencer, en fait. Et donc, avec beaucoup d'énergie, si on est prêt. Oui, donc l'intégrale. L'intégrale du Sacre du Printemps. Du Sacre du Printemps. Par Igor Stravinsky. Avec le Mariinsky Orchestra, dirigé par Valérie Gergiev. Avec la chorégraphie originale qui a été présentée en 1913 de Václav Nijinsky. C'est un enregistrement de juin 2008 en direct de Saint-Pétersbourg, disponible sur YouTube. Et je tiens à mentionner d'ailleurs qu'il s'agit probablement du meilleur ballet au monde, le Mariinsky en Russie, probablement, avec un des meilleurs orchestres au monde, l'orchestre du Mariinsky. Avec le meilleur chef russe au monde, Valérie Gergiev, en direct de Russie. Donc, c'est probablement la meilleure présentation de cette œuvre russe possible, en fait. Donc, la grande question, est-ce que ce sera un second massacre? Un second massacre du printemps. On vous laissera choisir. on vous laisse décider. Donc, pour l'occasion... Je vais maintenant descendre, maestro femme, dans le bon de notre écran et vous aurez à la grandeur de l'écran Valérie Gergiev et son orchestre. Et donc, on espère qu'on n'aura pas de problème. On vous souhaite une belle expérience. Je pense. On se retrouve après le sac du printemps.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Était-ce donc le massacre du printemps ou le sacre du printemps? Ben, si on se fie au sondage, c'était le sacre du printemps. les choix étant... êtes-vous d'accord que ceci est le massacre du printemps? Oui, je suis outré. Ou non, les maquillages sont magiques. Je m'attendais presque à voir Vladimir Poutine à la fin apparaître dans le groupe final. C'est pas impossible qu'il était dans la salle quand même. Ben, j'espère que vous avez apprécié ce moment spécial, quand même. Si vous avez jamais vu de ballet dans votre vie, c'est vraiment un univers en soi que je connais honnêtement très peu. Ouais. Mais... C'est pas quelque chose à laquelle on est au conservatoire, en tout cas, quand moi j'étais, où on était bien jumelés. Ouais. On est plutôt... plutôt opératique. Ouais, c'est ça. Soit sur les opéras, les arias, ce genre d'affaires-là. Mais la musique non chantée, simplement dansée, c'est moins commun. Alors que je trouve qu'il y a un beau mélange entre ces deux arts non nominatifs, donc des arts qui n'ont pas d'histoire à proprement parler. Pas dans le sens de l'histoire, mais dans le sens qu'ils présentent quelque chose qui n'est pas une présentation directe d'une histoire. Et lorsqu'on prend cette danse-là, et lorsqu'on prend cette musique-là toute seule, l'histoire, elle peut être confuse, mais lorsqu'on les met ensemble, on comprend tout. Ouais, ouais, c'est clair. Nous, on avait écouté en mois de décembre Casse-Noisette, entre autres, qui est vraiment différent dans le style, quand même. mais c'est vraiment impressionnant à voir toute l'organisation. Il y a probablement 3 fois plus de personnes que là. Ah oui, c'est absolument fou combien il y a de personnes. Je t'arrête 2 secondes, il y a Raphaël qui s'en va se coucher. Bonne nuit, donc, Raphaël. Il voulait nous souhaiter bonne nuit et bye bye parrain. Donc je vais faire ce message avant qu'il parte. oui, c'est effectivement complètement différent l'univers de Casse-Noisette, mais il y a cet aspect d'histoire racontée qui est absolument magique, je trouve. Oui, oui, quand même. C'est impressionnant à aller voir quand même. Donc, Jean-Philippe fait partie de ceux qui pensent que c'est le sens du massacre, en disant que la mise en scène était affreuse et de très mauvais goût. Mais je dois dire que apparemment Stravinsky, après cette première-là, avait dit « c'est exactement ce que je voulais ». Pas par rapport à la mise en scène, par rapport à tous les problèmes et tout les discours et tout le gimmick qui est arrivé par rapport à ça. Son but, c'était de créer un scandale, je crois. Ben, c'était réussi à l'époque. Ouais. Je vois pas d'autres... y a des commentaires sur le fait que ça s'imagine bien avec la musique de film. Je pense que l'idée du ballet, à la base... C'est un peu ce que nous, on appellerait aujourd'hui la musique de film. Oui, grosso modo, oui. Puis, faut pas oublier que, d'ailleurs, cette pièce-là est utilisée dans Fantasia. Je sais pas si c'est le même film Fantasia 2000, mais le Fantasia original qui avait été fait en 1940 par Disney, d'accord, quelque chose comme ça, qui incluait la sixième de Beethoven, Mon chauve, entre autres, et cette pièce-là. Mmh. Mais le sac du printemps est là... une bonne partie, là, facilement. L'extra au complet, c'est 35 minutes. Probablement que c'est au moins une vingtaine de minutes de l'œuvre qui est présentée pendant ce film-là. D'accord. J'ai simplement vu les parties associées à Duca. Ah oui, oui. L'apprenti sorcier. L'apprenti sorcier, donc, qui est quand même le plus fameux, ouais. L'apprenti sorcier. Mais effectivement, Mon chauve et le sac du printemps font partie. Oui. Moi, je suis sûr que Benjamin commence à avoir hâte de manger notre pizza. C'était notre tradition à toutes les semaines après le stream de manger une pizza congelée. Ce qu'on n'a pas fait dans les 2 dernières semaines parce qu'il n'y en avait plus lors du dernier stream et on n'a pas mangé la semaine passée. Donc je suis en manque de pizza. Mais là, j'ai remis ma casquette parce que je sais pas, il fait chaud un peu ici. 28 degrés selon notre... 28 degrés, oui. Avec le jacket et tout. j'ai commencé à sentir un petit peu couler à l'intérieur de mon dos. J'ai fait « bon, je vais aérer la tête ». Donc, il y a Caroline qui disait que, parce qu'à un moment donné,
on voit Gergiev tout le long de la... L'intro. Non, la deuxième partie. Oui, la deuxième intro. L'intro de la deuxième partie. Et donc, on voit Gergiev très longtemps et je leur ai demandé ou je leur ai fait remarquer que on pouvait maintenant vous comparer tous les deux. Et Caroline mentionnait que tu étais nettement meilleur que Gergiev, notamment par le fait que tu utilisais mieux ta baguette et que tu étais beaucoup plus beau. Ah, c'est gentil. Mais Gergiev a quand même une grande carrière. Mais on était d'accord que son utilisation de la baguette est particulière. On comprend pas. On comprend juste pas. sa baguette ne sert strictement à rien. Mais bon, ça fait joli, j'imagine. Et, c'est pour la caméra. Probablement. Il s'est fait dire un chef sans baguette, donc prends-en une. Ouais. Habituellement, il dirige avec un cure-dent, non? Ou rien. Ou rien. Ouais. Les cure-dents, il le fait en concert ou il le oui. fait juste? Oui, oui, ça arrive en concert. Probablement qu'il y en avait un à la fin du restaurant avant qu'il aille sur scène, alors il l'a juste gardé dans ses mains. C'est celui-là. Donc, on termine aujourd'hui. Ah, c'est Coralie qui a dit que tu étais plus beau que... Ah, merci Coralie. On vous invite à nous contacter si vous voulez avoir accès au Zoom d'entraînement des lundis et jeudis, que c'est moi qui tiens présentement d'ailleurs. Oui, donc c'est peut-être une introduction sur les prochaines semaines. Moi, je vais être beaucoup, beaucoup moins disponible. J'ai un gros examen que je dois passer dans les prochaines semaines qui s'appelle l'examen de synthèse. Et donc, pour... Apportez-lui de la nourriture. si jamais vous avez de la bouffe à apporter à quelqu'un, là, c'est ici que ça se passe. Donc, pour les trois prochaines semaines, voire prochains mois au complet, je vais être ermitage, en train de, soit d'étudier ou soit de rédiger pleurer, mes réponses à mes questions d'examen. Pleurer en boule quelque part. Pleurer en boule sur pourquoi j'ai décidé de faire ce doctorat. Donc voilà, donc j'ai été moins assidu dernièrement sur les entraînements vidéo. et comme je vais être à l'extérieur de Montréal pendant une semaine, eh bien je ne serai pas disponible non plus. Mais je reprends le flambeau avec joie. Et je suis toujours là. Maestro femme, tiens le flambeau que je reprendrai lorsque je serai de nouveau à peu près disponible. la semaine prochaine, on présentera probablement l'ouverture de Light Cavalry de Van Soupe. Très belle ouverture. Tout le monde va apprécier. Après cette soirée beaucoup plus explorative que d'habitude, là, ça va faire du bien. Le prélude explorative, à la... hein? Ça aurait été un meilleur mot, ça. Explorative. Explorative. Oui. Le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, qui est une œuvre tellement belle, honnêtement. Tout à fait. Ainsi que la quatrième symphonie de Schumann, qui sera en direct d'un DVD. D'un DVD? Oui. Et Schumann, je me disais que tu allais être heureux. Ben oui, c'est... tout d'un coup... Mais je vais être là la semaine prochaine. Oui. donc ça va être parfait. Donc, on vous remercie encore de votre présence. Merci à Benjamin, à la vidéo et technique animation. Boran Zaza, manager. Est-ce que tu mets la... Je vais faire ça... Kim Fontaine, directrice des médias sociaux. Sarah Douglas comme assistante dédiée et modératrice du chat. Allez aimer ma page Facebook, Instagram et vous abonner à ma chaîne YouTube. On espère se rendre à 37 abonnés avant la semaine prochaine. 37 pour la semaine prochaine, c'est l'objectif. Mais là, il va falloir que vous commenciez à... À parler aux gens. À partager l'information parce que sinon, on ne trouvera pas de nouvelles personnes dans nos... On va rester à 36 dans les abonnés. Mais moi, je pense que mon activité du 12 août va inciter quelques personnes à se connecter. Tout à fait. Donc, Jean-Philippe va nous rejoindre sur la pizza. Ah, super. Il devrait nous envoyer une photo. Oui, donc, si tu nous envoies une photo, on pourra la mettre sur le feed. Voilà. Merci beaucoup s'être reconnecté avec nous après cette semaine de vacances. Oui, ça fait plaisir de vous retrouver. J'étais tellement excité avant de recommencer. Oui. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autres choses à mentionner. Donc, le chat, comme à l'habitude, nous remercie. Donc, ça nous fait plaisir aussi d'avoir été avec vous. Et on retourne avec la symphonie espagnole de Lalo, qui est un concerto pour violon, même si c'est appelé une symphonie. Tout à fait. Très belle œuvre. Très belle œuvre. À la semaine prochaine.
Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous souhaite une excellente semaine. Gardez la santé. Oui. À la semaine prochaine. Thank you.